toi, pour parler de ton métier, je voudrais qu'on parle durant cette heure de ton métier, du Rémi ouvrier, de ta vie ouvrière. Hein. Avec les trois étapes et plus ce que tu ajouteras, l'étape du salin, l'étape de la bauxite, hein, et l'étape de la maçonnerie. Mais avant de voir ces différents moments de ta vie professionnelle, de ta vie ouvrière, auxquels on s'intéressera aux gestes ouvriers que tu as pu exécuter et puis les relations sociales que tu avais dans ces entreprises, je voudrais que tu nous racontes d'abord ta vie avant ta vie professionnelle, avant ton métier, avant tes métiers, et notamment ton enfance. Tes parents, que faisaient-ils comme métier, où tu as grandi, dans quel territoire tu as grandi et qu'est-ce que tu as fait comme activité et comme formation professionnelle. D'accord, c'est très bien. Voilà, ton enfance. Bon, mon enfance, je suis né en 46. Je suis né à Pomerol, d'une famille d'ouvriers agricoles. Donc c'est un milieu qui était pas défavorisé, mais qui n'était pas trop aisé. Bon, enfin, je suis l'aîné de quatre enfants. Enfin, mes parents, j'ai trois sœurs. Et donc j'ai vécu à Pomerol jusqu'à ma majorité presque. Hein. Mais bon, je suis parti de Pomerol à 11 ans. C'était une période difficile là. Parce que bon, à ce moment-là, je travaillais très bien à l'école et l'instituteur de l'époque lui a dit à mes parents, François, enfin surtout mon père, hein, Rémi travaille bien, il devrait aller au lycée. Mais comme mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, il m'a dit, mais ça, c'est pas possible. Hein. Mais tu auras des bourses. Hein. Donc, à partir de là, je suis parti au lycée Henri IV à Béziers. Et j'ai fait une partie de ma scolarité au lycée Henri IV à Béziers. Voilà. Bon, j'ai eu mon BEPC à l'époque, c'était le BEPC. Et il se trouve que mes parents bon, avaient une petite exploitation agricole. Hein. Mon père était jardinier, il produisait, il vendait du maraîchage. Il gagnait assez bien sa vie à ce moment-là, vers la fin de ma scolarité au lycée Henri IV. Hein. Et seul, il n'y arrivait pas, enfin, à travailler et à vendre, parce qu'il faisait les marchés de Pomerol, Marseillan, Marseillan-Plage. Hein. Il n'y arrivait pas. Il y a bien qu'il y ait ma soeur qui aidait, ma soeur aînée, enfin, ma soeur qui est juste après moi. Donc, bon, un petit peu, pour être un petit peu libre, pour gagner un petit peu d'argent, bon, c'est la facilité de dire, bon, mais, on va travailler ensemble. Et nous avons travaillé ensemble pendant quelque temps. Jusqu'à ce que je disais à mon père, papa, il faudrait que j'aie un salaire quand il m'a fallu travailler ailleurs. Donc j'ai quitté l'exploitation familiale et je suis allé travailler d'une part à l'exploitation agricole à Pomerol et puis au salin du Midi. Voilà, j'ai commencé ma vie d'adulte comme ça, au salin du Midi. Au sein du midi, alors tu faisais quoi? Et puis, voilà, là, j'étais ouvrier agricole, hein. Enfin, ouvrier agricole de tracteuriste, ça savait que je travaillais sur l'exploitation agricole hein, et je conduisais un tracteur. Pour labourer les vignes, travailler les vignes du salin du Midi. Et c'était, je suis rentré au salin du Midi en 67. Je me suis marié en mars 68, et au mois de mai 68, les grands événements ont fait que ça a un petit peu bouleversé notre vie à ce moment-là, parce que 68, ça a été quand même marquant. Alors, tu travaillais avec combien de personnes? Voilà, nous étions très nombreux au salin du Midi, on était 60, je crois, 60, 70. Entre l'ouvrier qui travaillait sur l'exploitation agricole et du personnel, femmes surtout, et hommes qui travaillaient dans la mise en bouteille, l'exploitation du vin en cave. Et donc, tu faisais le labourage? Ouais, je labourais, je taillais, je greffais, je faisais toutes les opérations qui étaient nécessaires pour la vigne. Puis t'as mai 68. Et à mai 68, bon, il y a eu les grandes grèves, tout ça. Et à partir de mai 68, il y a eu la possibilité pour les établissements agricoles hein, d'avoir des délégués du personnel et un comité d'entreprise. Hein. Bon, ça a discuté un petit peu et j'étais un des plus jeunes à ce moment-là sur l'exploitation. Peut-être un niveau d'études qui correspondait, qui était différent des gens qui travaillaient à terre. Hein. Et j'ai été bombardé, délégué du personnel et secrétaire du comité d'établissement du salin du Midi. D'ailleurs, j'étais le premier secrétaire d'établissement du comité d'établissement du salin du Midi de Villeroy à 7 ans. J'étais le premier.
Et le premier, donc, de membre du CCE, du comité central d'entreprise, hein, de Salins du Midi, Banque de l'Allier, qui s'appelait comme ça à ce moment-là. Et tu étais dans un syndicat? Ah oui, j'étais. D'ailleurs, j'ai eu tout, enfin, ma première formation, ça a été avec l'Union locale des syndicats CGT de 7, hein, donc j'étais membre de la CGT. Et j'ai fait mes premières études de syndicalisme avec l'Union locale de 7. Hein, et des gens comme. Enfin, voilà, surtout Robustelli. Robustelli, c'était un personnage qui était un délégué du personnel de la Farge. C'était, enfin, j'ai fait mes premières armes là. Et tu as choisi la CGT, il y a une raison particulière pour laquelle tu as choisi la CGT? Pas forcément, hein. Non, non, non. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que mes parents sont d'origine de gauche, même mes parents étaient communistes. Hein. Mais non, non, pas forcément. C'était, je sais pas, c'est peut-être le hasard qui a fait que j'arrive là. Je ne sais pas au juste. Hein. Et alors, au sein du Midi, quels étaient les problèmes des travailleurs? Les problèmes des travailleurs, c'était surtout les conditions de travail. L'hiver dehors, l'été dehors, avec l'hiver, le froid, la pluie, l'été, la chaleur, parce qu'il fait très chaud le sable, hein, la réverbération du soleil, et les salaires, hein, qui étaient dans le milieu agricole, qui étaient très bas. Et alors, est-ce que tu as pu améliorer avec les... Un petit peu, faut un petit peu. Enfin, une reconnaissance quand même du personnel agricole, qui était jusque-là bon, un petit peu marginalisé. Un ouvrier agricole, ce n'était pas quelqu'un, enfin, à ce moment-là, qui était considéré comme étant intéressant. Non, après, ça a été, il y a eu un petit peu ça. Puis, bon, je ne suis pas resté trop longtemps, je suis resté qu'un an. Après, bon, pour des raisons financières, parce que le milieu agricole, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et bon, on a eu l'opportunité, avec un collègue, d'avoir la connaissance d'embauche à Péchiney, à Metz. Hein. Comme j'habitais Metz, ça m'évitait de faire des déplacements sur 7. Hein. C'est intéressant. On s'est présenté là et voilà. Ça... Pour revenir un instant sur le Salin, ouais. Est-ce que, qu'est-ce que tu as appris au Salin? Est-ce que tu as appris quelque chose dans ta vie professionnelle? Peut-être un commencement de solidarité. Peut-être une amorce politique. Parce que bon, les gens ne parlent pas trop. Enfin, autant ils parlent facilement de la chasse et du football, mais. De la vie, de la société, les gens, enfin à ce moment-là, on en parlait peu. Vous aviez des occasions pendant le temps de travail de vous retrouver, de discuter ou c'était... Pendant le travail, pas trop. Pas trop. Non, c'était au casse-croûte ou le matin à la prise de poste, enfin à la prise du travail. Le soir, non, parce qu'on partait vite, vite. Hein. Mais. Non, on parlait pas trop quand même, non, non. Et tu as eu donc l'opportunité avec un collègue à trouver une place, ouais, à la mine, ouais, de bauxite de Metz. Alors ça s'est passé en mars 69. On apprend que Péchiney embauche. On ne savait pas trop ce que c'était. Péchiney embauche sur l'exploitation de bauxite. L'attrait, c'était le salaire. Parce que si je me souviens bien, je crois que ça a été midi, j'ai gagné à ce moment-là 700 francs. 680, 700 francs de l'époque, hein, 1968. Et au Salin, tu gagnais combien? Au Salin, je gagnais ça. J'ai gagné un peu moins de 700 francs. Et en allant à Péchiney, on gagnait 1000 francs. Donc ça nous évitait de faire le trajet pour aller à 7, hein, et ça nous a donné un test dans la supplémentaire. Et le travail, on ne le connaissait pas. Alors c'était un petit peu l'aventure. Hein. Mais enfin, bon, on était jeunes à ce moment-là. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 23 ans, 20 ans 68, 23 ans, ouais, 23 ans. Ouais. Alors comment t'as découvert le métier? Qu'est-ce que tu as commencé par faire? Ma première impression, tiens, l'embauche. L'embauche, on nous dit qu'il faut aller voir, on peut dire les noms, bon, enfin, Monsieur Rousier, qui était le chef d'exploitation de chantier de Cambéliès, il faut aller le voir à Loupien. Et nous allons le voir avec le collègue, on va le voir chez lui, donc, à Loupien. C'était tard, il faisait nuit, enfin, on va chez lui, on sonne, hein. Il ouvre la porte, hein. Enfin, entrez, bon, on rentre, et puis on voit un grand immeuble, un grand escalier dans sa maison, et on voit un gars énorme, enfin énorme, costaud, fort, grand,
Oh là là, qu'est-ce que vous voulez? Alors on lui dit, bon, on vient pour se faire embaucher pour pêcher. Oh, ben revenez demain au chantier. Et enfin, une voix autoritaire, forte. Hein. Oh là là. Ah, le collègue se dit, mais où on est tombé? Et le lendemain, dans ce point au chantier à Cambiliès, le secrétaire de chantier nous reçoit gentiment, bien, bon, le nom, le prénom, etc. Et le chef de chantier arrive. Hein. Ah, c'est vous qui êtes venu, oh là, on ne vient pas à la maison, comme ça, bon. Pouh. Un gars un peu bourru. Et bon, là, enfin, on discute un petit peu. Et puis, on passe devant nos voitures, parce qu'on avait ses voitures devant le bureau, et j'avais crevé. Et alors, j'ai dit, enfin, un collègue, j'ai dit, oh, zut, Pierrot, j'ai crevé. Et le chef gentil qui me dit, oh, vous avez crevé, c'est pas grave, hein. Vous démontez la roue, vous apportez l'atelier, on vous la réparera. Oh, j'ai dit, mais il est sympa, le gars. Hein. Et voilà comment ça a commencé. Et là, on... Donc, tu es rentré dans le métier avec plaisir. Avec... Oui, après, oui. Et donc, nous avons été embauchés pratiquement de suite. Hein. Oui. Dès l'entrevue et l'embauche, ça a été rapide. Et là, bon, le hasard a voulu qu'il y avait plusieurs exploitations. Il y avait le chantier de Cambiliès, il y avait le chantier de l'Olivet, et l'amorce du chantier de la Rouquette, hein, de la mine de la Rouquette, avec le creusement du puits. Et pour la mine, hein, il fallait faire des recherches de bauxite. Hein. Et moi, j'étais mis dans ce travail-là. On recherchait, là, on faisait des forages profonds pour rechercher la bauxite. Hein. Et ça se faisait en surface, hein. En surface, oui. J'ai travaillé là pendant 3 ans. 3 ans à faire des trous. À faire des trous, à faire des forages. Et à remonter des carottes. Et à remonter des carottes, oui. Enfin, on fourrait au trépan jusqu'à ce qu'on trouve là. Soit le toit, le calcaire hein, qui sépare la bauxite des marnes. Hein. Et puis à partir du calcaire, on carottait, on faisait des carottes. Hein. Et tu travaillais seul ou tu étais. Non, j'étais trois. Par équipe de trois. Et ces trois faisaient la même chose ou... Non, il y avait un qui était fait le responsable, qui conduisait la machine, hein, et nous qui étions. On servait la machine. D'accord. Voilà. On était trois. Et on travaillait en 3-8. C'était bien, c'était sympa. Et tu gardais toujours la même équipe ou... Oui, toujours la même équipe de 3, oui. Mais on travaillait en 3-8, mais on ne travaillait pas le dimanche. Mais on travaillait comme le samedi matin. Bon, ça, c'était les premières années. Ça, c'est les premières, oui, les premières armes à pêchiner, oui. Et là, comme il fallait des délégués sur chaque exploitation, on m'a demandé de représenter les forages, parce que dans les forages, il y avait deux foreuses, une Crélius 1000 et une Joy 275. Moi, je travaillais sur la grosse machine. Et il fallait un représentant du personnel qui représente ce personnel-là, parce que nous étions 9, 18. Enfin, on était une vingtaine à travailler là. Donc, tu étais représentant. Donc, il me fallait un représentant. Bon, après discussion, bon, bien, on m'a bombardé, parce que j'étais pas trop. Mais enfin, comme j'avais déjà fait une première arme, voilà, j'étais. Et en ce temps-là, quelles étaient les préoccupations de syndicalistes? Voilà, surtout les conditions de travail. Les conditions de travail. Au début, les conditions de travail, la rémunération, l'organisation du travail. Au début, c'était ça. Après, après, avec le temps, surtout après les dispositions qu'il y a eu après la 68, sur les prérogatives des délégués du personnel du syndicat et des CHSCT, du comité d'entreprise, hein, là, il y a eu après une autre approche du monde du syndical pour le travail. Donc, ouais. Ça, c'était encore dans le temps où tu perçais le sol pour voir ce qu'il y avait dedans. Oui. Voilà. Ah, oui. Et alors après donc tu as tu as changé d'activité parce que c'était fini cette activité. Enfin, non parce que déjà bon à ce moment-là bon déjà être délégué du personnel face à quand même à une structure comme Péchiné, il fallait s'instruire, il fallait avoir une éducation syndicale pour pouvoir discuter avec le patron ou les représentants des patrons parce que on discutait souvent, enfin pour la mine, on discutait organisation syndicale et le CEP. Le CEP, c'était le syndicat des exploitants de bauxite,
où il y avait l'intérieur, la Tonome, Péchinet, les Suisses, il y avait plusieurs représentants d'associations d'exploitation de bauxite. Hein. Donc il fallait quand même avoir une formation pour pouvoir discuter avec ces gens-là. Donc tu as eu une formation syndicale et des décharges. Oui, là j'ai eu plusieurs formations syndicales. Et tu as eu des décharges permanentes? Oui, oui, alors au début, pas trop, mais après, presque à la fin de l'exploitation, j'étais à temps plein. Enfin, presque à temps plein. Bon. Et quand tu étais sur le carreau de la mine à Percé, tu étais... Alors, quand la carrière, les recherches ont terminé, parce qu'on avait délimité les lentilles de bauxite, hein, soit en profondeur, en épaisseur de minerai, géographiquement parlant, où elles se situaient, il n'y avait plus la nécessité de faire de recherche, tout était bien cartographié. À ce moment-là, je savais travailler.